Bienvenidos a todos una vez más a las clases de francés con CEFA. Hoy nos va a impartir la clase de nivel A2 el profesor Camilo Jiménez. Vamos a recordar algunas de las reglas para permanecer en clase y tener la misma de manera ordenada. Siempre tener la cámara encendida, nombre real para que el profesor pueda dirigirse a ustedes por el nombre y mantener los micrófonos cerrados hasta el momento de su intervención y recordar volver a cerrarlos una vez finalizada la misma. Recordamos que pueden contactarse con Club de Francés a través de la página de Facebook. También pueden hacerlo ingresando con los enlaces que vamos a estar pasando en el chat del Zoom a nuestro grupo de Telegram. Todo el material para estudiar lo van a encontrar en el Drive del Club. Cada profesor tiene una carpeta y en ella encuentran las clases, ¿sí? El material con el que trabajaron. Y también las clases son grabadas, con lo cual si hemos tenido algún inconveniente o queremos repasar alguno de los temas, las mismas se suben a nuestro canal de YouTube. Por otro lado, pueden contactar al profesor Camilo Jiménez a través de su correo electrónico y de su número de WhatsApp, que también vamos a estar pasando durante toda la clase en el chat de Zoom. Sin más, los dejo con el profesor Camilo Jiménez. Disfruten de la clase. Okay, bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bonjour. Bien. Bonjour, profesor. Bien, bonjour. ¿Vos sale bien, Lega? Ok, bon, j'espère que vous allez bien. ¿Vos avez fait le devoir de la dernière classe? La chanson et les exercices, quelque chose? Je demande juste pour savoir, parce que bon, des fois, les gens sont un peu timides, donc ils n'osent pas à demander en classe, en cours, s'il y a des doutes, s'il y a des questions. Ok, donc je ne sais pas si vous avez des doutes par rapport au thème précédent ou d'autres thèmes qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, le thème, c'était assez simple. C'est un thème qui va nous permettre de comprendre l'utilisation d'un formule impersonnel qui va nous permettre d'exprimer l'obligation surtout. OK? Si vous entendez quelque chose, me dicen y pues lo digo también en español, ¿vale? Voy a compartir entonces la pantalla para que puedan ver toda la presentación. A ver, creo que aquí me están escribiendo algo. Miremos a ver. Ah, ok, sí. Yo siempre miro los mensajes. Vale, sí, ahí está mi información por si me quieren contactar. Y bueno, el correo también, ¿vale? Ese número es solo WhatsApp. Entonces, por si cualquier cosa me llama, no sirve para llamadas. Bueno. Todas las personas que están acá son de nivel, ya sí, nivel A2, ¿sí? O sea, o hay alguien que haya entrado por curiosidad o algo así. Si no quieren de pronto hablar, pueden levantar la mano y yo miro quiénes son. También, no hay problema. Bueno, parece que nadie, entonces todos pues, pertenecemos a este nivel. Entonces, bueno. Voy a proyectar la presentación. Listo. Bueno. Entonces, bueno, mi preintroducción de siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la construcción llamada ILFO. Bueno, aquí ya para hacer rápido. Unos sinónimos de cómo también se puede decir de otra manera ILFO. Sobre todo con el infinitivo, ifo plus infinitive. Normalmente estas expresiones se usan en subjuntivo, se escucha más subjuntivo, y de manera oral suele escucharse solo fo, ¿ok? El francés, ustedes van a decir, de pronto leen en redes sociales, en Facebook, estas redes que la gente escribe de cualquier forma, y uno también a veces se equivoca o ortografía, ellos van a escribir a veces fo, ¿listo? Y bueno, eso es sobre todo lo que ya sé. Vale, algún ejercicio en línea vamos a hacer y un ejercicio es escrito. Aquí me quedó mal escrito. No importa, ejercicio. Bueno, voilà. Pero, ¿para qué sirve esto? Pues,
principalmente va a servir para más primero expresar una obligación, pero como yo dije en la clase esta de los 30 verbos más usuales, bueno, y de devoir, no es tan fuerte como devoir, ¿sí? Es decir, si por ejemplo uno está, no sé, en un ambiente como de un procedure, donde es una empresa, ¿sí? Está en una empresa. Y le dan como una especie como de manual para hacer ciertas ejecuciones. Entonces, en esa sí va a aparecer como doit, el verbo de devoir, ¿ok? Porque es mucho más, es importante y tiene que ser así. En cambio, el faut puede parecer más como un consejo o puede como una sugerencia, ¿sí? En algunos casos, cuando es muy familiar así ya la situación, entonces la gente suele dejar de lado mucho el devoir y suele usar mucho el faut. ¿Ok? Pero entonces esa es la gran diferencia. Es más fuerte decir yo debo hacer tal cosa que hace falta, que es lo que traduce il faut. ¿Listo? Decimos que es impersonal porque cuando digo il faut no es el de hombre, sino es simplemente porque esa expresión necesita un pronombre personal para poder escribirse bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es por eso, son lo que, eso es lo que llaman expresiones impersonales. ¿Listo? Bien. Entonces, como les decía, puede ser construido con infinitivo, subjuntivo. No vamos a ver eso. Entonces, nosotros vamos a ocupar hoy no más. Vamos a ocuparnos de su utilización con el infinitivo. Es básicamente lo que vamos a ver. Algo muy sencillo. Entonces, algunas de las clases que estoy manejando en la otra academia las estoy manejando con fichas. Pueden ser hechas por mí, pueden ser que yo encuentre en la red, me parece interesante. Entonces, aquí más o menos les presento, más o menos en general, cómo es la construcción y cómo son diferentes tiempos. Entonces, el verbo impersonal es falloir, y ese verbo única y exclusivamente se va a construir con il faut, con il. ¿Listo? Porque es una expresión, no es más. Ahí no hay una persona, no hay nadie, como les decía. Entonces, el presente, es alguien que quiera pronunciar alguna de las por turnos, cada una de las conjugaciones en cada tiempo. ¿Alguien que quiera animarse? ¿Listo, Araceli? ¿Va así? D'accord. Bonjour, profesor. Bonjour. La obligación. Il faut plus infinitif. Ouais. Verbe impersonal. 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 Impersonal infinitif. Oui. Infinitif. Conjugación. Conjugueso. Conjugación. Conjugueso, oui, voilà. Gracias. Raison, il faut. Bueno, c'est bien, c'est juste là, ok? On va, ok, très bien. Une autre personne, vous le passez composé? Fernando? Oui, voilà, vas-y. Fernando? Passez composé. Oui. Il a fallu, très bien, bien. C'est tout. Très bien, merci. Il a fallu, ça veut dire? Hizo falta. ¿Ok? Se veut dire que c'est une action qui a déjà été, achevée, finalizada, lograda, terminada, ¿sí? Hizo falta tal cosa ya, ¿listo? Una otra persona, pour l'imparfait. Moi. Théo. Voici. O Théo, oui, voilà, sí, voici. Imparfait. Il fallait. Ok, bien, très bien, merci. Il fallait, ça veut dire, faltaba, hacía falta. Donc, l'imparfait, c'est surtout un temps qui nous permet de comprendre que l'action est en train de se dérouler, mais dans le passé. Okay? Se desarrolla en el pasado. Es como si yo dijera en español, jugaba. ¿Sí? O sea, es pasado, sí, pero pareciera que al decirlo, continúa la acción. ¿Sí? Listo. ¿Y una otra persona para pronunciar el futuro? ¿Moi? ¿Angélica? Ok, va a ser Angélica, yo te escucho. Il faudra. Il faudra, très bien. Donc, il faudra, il faltará. Hará falta qué. O hará falta plus infinitif. C'est tout. Oui, voilà. Le conditionnel. Merci. Il faut que je choisisse. Moi. Tu veux participer? Oui, voilà. Vas-y. Il faudrait. Très bien. Donc, des fois, il a des problèmes pour faire la différence entre les futurs et les conditionnels. Parce que des fois, les terminaisons sont quasiment le même. OK? Mais on ne va pas s'occuper maintenant de ça. On va juste dire que ce sont des temps que des fois, on pourra les confondre
pas souvent, mais voilà, il faut juste faire attention, faire gaffe. Voilà, et bon, je vais continuer. Donc, la signification, comme je vous avais dit, on doit, c'est une obligation, une nécessité. Donc, on peut utiliser des synonymes pour remplacer il faut plus infinitif en disant il est nécessaire de, après de la préposition de, on met un infinitif. OK, par exemple, il est nécessaire de travailler pour avoir de l'argent. Est-ce que vous tous avez compris? Oui, vous avez tous compris? Oui. Oui. Ouais. Il est obligatoire d'étudier pour être cultivé, quoi. OK? Il faut lire, vous voyez, je vais utiliser l'infinitif. Il faut lire pour être cultivé. OK? Voilà. Donc, à la forme négative, il faut juste entourer les verbes falloir conjuguer. Il ne faut pas. OK? Ou il ne doit pas. Mais ici, dans cette fiche, il traite on doit comme un synonyme. Mais comme je vous avais dit, ce n'est pas un vrai synonyme. C'est surtout au langage formel, écrit, officiel, dans lequel on va utiliser on doit. OK? Vous avez compris ça? Oui. Très bien. Donc, les vidéos YouTube, c'est plutôt une vidéo YouTube assez courte, mais je ne vais pas cliquer sur ça. C'est juste une vidéo qui va nous expliquer la même chose qu'on est en train de lire. OK? Donc, il faut pas la regarder. Vous voyez? C'est facile d'utiliser il faut. Plus l'infinité. Donc, en bas, on trouve des quelques panneaux. Panneaux, ça veut dire avisos. OK? Panneaux, OK? Qui nous donnent des indications sur les transits. Donc, après, on dit les trafics, pardon. Il faut aller à gauche. Vous voyez? Il faut aller à gauche. Il faut faire attention. Okay. Il y a un synonyme pour faire attention. Par exemple, est-ce qu'ici il y a des personnes qui ont des enfants? Oui. Donc, on leur dit, faites attention. Je vais écrire ça. Pardon, j'ai avancé. Je ne vais pas le faire. J'écris, par exemple, faites attention. Vous dites à vos enfants, faites attention. Faites attention. Mais en langage courant, on pourrait aussi dire faire gaffe. OK? Faire gaffe. OK? Pardon de mon écriture, parce que je suis gaucher. Bon, voilà, j'ai ici un petit stylo digital, c'est pas facile pour moi d'écrire comme ça. Non, ouais, vous avez compris. Voilà. OK? C'est facile. Faites gaffe, faites attention. Donc, voilà, c'était juste pour information, pour tous les étudiants, pas pour une autre chose. Bon. Après, on a, il faut tourner à droite, il faut écouter. OK? Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un a un doute ou une autre chose à dire? Tout a été clair? Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter une autre chose par rapport à ces synonymes. Par exemple, il est important. Il est important de. OK? Il est important de. Donc, tout ce genre des expressions sont des expressions impersonnelles. Donc, ici, ce n'est pas une personne. OK? C'est juste pour nécessité de mettre un pronom qui puisse laisser plus compréhensible l'expression. OK? C'est juste pour ça. OK? Il n'y a pas une vraie valeur logique. Bon, voilà. Je vais effacer tout. Bon, on continue et je vais vous montrer l'exercice prochain. Voilà. Donc, il n'y a pas... Je pense qu'on n'a pas beaucoup de problèmes là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Chaque personne, je ne sais pas, n'importe qui, pourra mener la réponse en faisant cet exemple. Vous prendriez cet exemple et vous feriez vous allez l'utiliser avec chaque expression et chaque point. Okay? Donc, il faut juste... Mais bon, ici, il y a une petite chose que, bon, je ne sais pas si vous avez déjà étudié, vous avez déjà vu, qu'est-ce qu'on devra remplacer
le nombre ici par un pronom. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Ou c'est pas connu de tous? Je peux expliquer en castellano, professeur. Listo. ¿Qué pasa? Digámoslo en español. Hace falta coger la maleta. ¿Sí? Debes coger la maleta. Hace falta que la cojas. Bueno, de pronto está en un lugar con mucha gente, donde da como de pronto inseguridad. Bueno, entonces yo lo que hago es que yo reemplazo le sac por un pronombre que me permita no volver a decir eso, esa palabra. ¿Sí? Eso es básicamente como la función de general de cualquier pronombre. No repetir algo. Entonces aquí yo, hace falta tomarlo. Tomarlo. Pero en francés es al revés. Lo tomar, bueno. En fin. Entonces, aquí dice, alguien sabe, bueno, me imagino que todos entienden, ¿no? Se debe ir a Francia, ¿sí? Se debe ir a Francia. Vale. Para los países femeninos, eso se los digo como información, no porque haga parte de esta clase, then se va a utilizar para todos los países femeninos, todos, ¿sí? Por ejemplo, il faut aller en Argentine. ¿Vous voyez? Pues que Argentine es un país femenino. ¿No? Vous avez compris? Donc, on utilise toujours l'UN pour ce genre de pays. Sauf pour le Mexique, pour le Zimbabwe, pour Mozambique, et bon, je ne sais pas quoi. Bon, j'en passe. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit remplacer la France pour un pronom. Est-ce que vous vous rappelez c'est quel pronom qu'on utilise pour remplacer les lieux? Sería il faut en aller. Il faut y aller. Y aller. Y aller. Je vais le faire. Je vais le faire. Parce que je pense que c'est une chose un peu difficile. Toujours pour vous, parce que ce n'est pas encore expliqué. Il faut y aller. Donc, parce que al y va remplacer les lieux. Quel lieu? La France. D'accord? Donc, c'est pour ça. D'accord. Bien? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me donner la réponse pour les deuxièmes? Moi? Avendaño, oui. Araceli, oui, oui. Oui. Il ne faut pas oui. Acheter. Oui. Acheter. Mais il faut remplacer du pain. Parce que tu n'as pas remplacé du pain. Il faut ici un pronom, c'est pour ça que c'est ce que je veux dire. Il faut le remplacer par un pronom. Les pains. Non. Je veux dire, il ne faut pas. Il ne faut pas les oui. Acheter. En acheter. Acheter. En acheter. Parce qu'on remplace tout ce qui est. Tout ce qui commence pour un deux ou des articles partitifs ou des quantités, tout ça est remplacé pour les pronoms UN. D'accord. Ok? Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, il ne faut pas en acheter. En acheter. Donc, on ne prononce pas très fortement ou pas fort. On ne prononce quasiment rien de. D'accord. Okay? Bien. Merci. Ok, pas de souci. À toi. Una pregunta, professeur. Oui. Yo oui. Puedo decir también, en el primer ejemplo, ¿puedo decir il faut aller là? Non. Parce que normalement, on met juste après, devant le verbe conjugué les pronoms. C'est l'ordre, c'est la syntaxe, ouais, voilà, pas de souci. Une autre personne qui veut se jeter, si vous se jetez à la piscine. On est ici en train d'apprendre, donc il n'y a pas de problème. Le regarder. Oui. Olga. Il faut le regarder, peut-être. Oui, voilà. Parce que c'est un pronom démonstratif, c'est un adjectif démonstratif, et c'est féminin, donc on le remplace pour la. Oui, voilà. Il faut la regarder. La regarder, oui. Oui, voilà, très bien. Super. Une autre personne, vous savez, je pense que vous avez ici la même chose. Moi, Théo. Oh, Théo, oh, vas-y. Il faut absolument regarder. La regarder. La regarder. Ajá, ouais, voilà. Parce que ici, dans ce cas, on a un adverbe qui va nuancer, comme matizar, nuancer, le verbe conjugué. OK? Donc, hace falta absolutamente mirarla. OK? Tu vois?
¿Fue? ¿Teo se clair pour toi? Oui. Okay, il faut absolument la regarder. Il faut absolument la regarder, exactement. Oui. Quand on, ça t'a dit que quand on a un adverbe, qu'est-ce qu'on fait? On met devant les verbes, avant les verbes, les verbes à l'infinitif, les pronoms. Mais quand on n'a pas, on le met avant. OK? Oui. Bien. Notre personne pour les cinquièmes? Moi, Angélica. Bah, si, Angélica. Il faut le mettre ici? Il faut le mettre ici, oui. OK, très bien. Il faut le mettre ici. Bon, voilà, on barre ça, on supprime le livre. Après, pour la réponse, c'est bon. Et c'est bon. Très bien. Le sixième. Bon, je vais commencer à élire la punta de sorteo. Cecilia. Cecilia, ¿est-ce que tú eres? Cecilia, pues que le partí. Y la partí soudainement, Cecilia. Bon. Steph, ¿est-ce que tú eres? Steph Sotres. ¿Tú me écoutes? Oui, perdón. Oui, yo te demande de me donner la réponse pour les sixièmes. Et il ne faut pas faire les sports. Oui, mais là, ici, il y a, ouais, mais ici, il y a un problème qu'on a un pronom, on a une préposition, c'est la préposition de. Donc, on avait vu qu'avec de, on met en pour le remplacer. OK. OK. Donc, dans quelle position est-ce que tu crois qu'on doit mettre les pronoms? Ou ça, c'est-à-dire, pardon, il ne faut pas, on va écrire tout de suite les verbes. Ou on ajoute les pronoms avant. Est-ce que tu as une idée, Steph? Je ne sais pas. Non, il faut faire ce qu'on a fait ici dans les deuxièmes. Donc, il ne faut pas en faire trop. OK? OK. Tu as compris? Donc, on va mettre tout après. Il faut conjuguer, hein, sauf si on a un adverbe. OK. Salvo si tenemos un adverbio, vamos a poner ese adverbio. Bueno, esto parece una clase que el profesor le está abriendo la mente a otros temas que van a venir después, pero pues era necesario porque fue de los pocos ejercicios que encontré para que pudieran también entenderlo, ¿listo? De por qué también esto va a pasar. Listo. Il faut acheter du pain, una vez ya fait ça. Entonces, ¿qué es que on fait? Jenny, tu peux me donner la réponse? Donc, on dit quoi? Il faut acheter le pain? Il faut acheter? Il faut remplacer avant du pas. On le passe pour un pronom? Le pain? Il faut en acheter. Parce qu'on remplace ce qui vient avec la position de, du, ou, en. OK? Il faut en acheter. OK? C'est pour ça. On avait déjà fait le même exercice sur les deuxièmes points. OK? Bon, voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, plus ou moins? Oui. OK, d'accord. Bon, ici, je vais vous laisser faire. Qu'est-ce qu'on devra faire? On devra répondre à chaque phrase et avec il faut en utilisant cette petite phrase. OK, donc chaque personne va essayer de me donner. J'aimerais bien qu'il ne serait pas les mêmes personnes. Mais bon. Si n'a pas d'autres personnes qui veulent répondre, il n'a pas de problème. Mais bon, j'attends votre réponse. Mm-hmm.
que vous avez compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Se peut dire. Oui. Oui. Il ne faut pas. Oui. Il ne faut pas quoi? Il ne faut pas. Ouais. Mais oui, exactement, oui, très bien. Si tu veux, il fallait pas le remplacer tout de suite par un pronom, ok? Mais si tu veux le faire, n'a pas de problème. Il faut pas y aller. Voilà. Pourquoi est-ce que la, pourquoi est-ce que ça c'est correct? Parce qu'on a la préposition au, et c'est du coup c'est aller dans un lieu. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il a remplacé pour le pronom i parce que c'est un lieu. Et en plus on a les prépositions à. Ok. Bon, pour les deuxièmes. Moi. Ouais, si tu veux. J'ai trop de voir que faire. Il faut pas. Il faut. Il faut faire. Ouais. Les devoirs. Il faut les faire. Ouais, voilà, on peut remplacer avec les, ouais, après, ouais, voilà, très bien, merci. Et autre personne pour le troisième. A ver, elijamos. Lorena, ¿es que tú puedes me dar la respuesta? Profesor, qué pena, estoy todavía trabajando y no he puesto mucho cuidado, pero ya casi termino. Discúlpeme. Ok, bueno, Laura, Cuello, ¿tú puedes me dar la respuesta? Perdón, je viens d'entrer à la réunion. Je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire? Pas de problème. Bon, je vais continuer à chercher une autre personne. Reinaldo, est-ce que tu veux me donner la réponse, s'il vous plaît? Désolé, professeur, je ne sais pas. C'est sexiste. Oui. Mais tu viens d'entrer ou... Je suis très fatigué. Por eso no tengo mente para responder. Disculpe. D'accord. Bon. Je sais une autre personne. Angélica. Tu m'en as déjà beaucoup de réponses, n'est-ce pas? Oui. Ok, moi si tu peux les faire aussi, pas de problème. Non, oui, voilà, on commence par un non, ouais. Il ne faut pas. Oui, il ne faut pas. Il ne faut pas. Être en retard. Il ne faut pas, oui, voilà. Il ne faut pas être en retard. Ça, ce n'est pas possible de le remplacer par un pronom. Donc, c'est bien ça. Bien joué. Et bon, je vais retourner. Retard. Aussi, bon, normalement, on prononce le nœud de nez ici en tant qu'un nœud. Donc, on dit il ne faut pas. Quasiment, on entend pas beaucoup le E. OK? Ok, bien. Merci. Une autre personne, Fernando, est-ce que tu peux me donner le quatrième? Ou une autre personne, je ne sais pas. Je cours à 8h du matin, mais oui. Je vais dormir. Tu veux dormir, oui. Il, Donc.
il ne faut info il ne faut pas il ne faut pas oui y ahora viene il ne faut pas dormir oui voilà c'est tout. Ok, bien, merci. Une personne pour les cinquièmes? Comme ça, je pourrais vous corriger la prononciation aussi. Bon, c'est-à-dire, à vos places, je vous profiterai de cette opportunité. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une autre personne? Je ne sais pas, je continue à chercher. Et, moi qui c'est... Ah ouais, si tu veux okay. Continuer, ouais, pas de problème. Ouais, voilà, vas-y. J'ai rendez-vous à 16h, mais je vais arriver en retard. À 16h. À 16h, ouais. Ouais. Il faut être ponctuel. Il faut être ponctuel, ouais, voilà. Ouais. Ce sont des constructions assez faciles, tu vois. Très être ponctuel. Donc, pour ceci, c'est un adjectif. Donc, on peut dire il a un homme ponctuel et une femme ponctuelle. Donc, on peut ajouter un L, un E, et ça va changer pour un féminin. Okay? Ah, ok. Oui. C'est juste pour information. Ok. La sixième. Moi, Théo. Ok, vas-y. Comment visiteremos el Eldo? Oui. Il faut aller à Paris. Aller à Paris. Bon. Là, on ne peut pas remplacer A parce que sinon la réponse serait. C'est pas logique. Okay, ça incohérent. Si on essaye de remplacer A pour I, ça sera incohérent parce qu'on n'a pas. On ne sait pas où est-ce qu'on doit aller. Okay? Pour visiter le Louvre. Même si le Louvre c'est un musée fameux, et on ne sait pas à quelle ville aller. Bon, on sait déjà bien en avance la ville où il se trouve, mais il ne faut pas remplacer pour A. Okay? Parce que sur la réponse, il n'y a pas un lieu en concret et pas non plus avec sa préposition. Okay? Donc, c'est bien ça de dire à Paris. Mal dicho, il faut y aller. Exactement, parce qu'on ne sait pas encore si tu dis il faut y aller, mais où? Ok, on ne dira pas, mais où? Tu as compris? Oui. Exactement. Donc, et ici, c'est important, non? Visiter, c'est juste pour les lieux inanimés, pour les bâtiments, pour les musées, ok? Mais pas pour les personnes. Ok? Ça, c'est important à retenir. Voilà. ¿Y la cuestión? Depende del contexto, ¿no? Sí, visiter, c'est toujours pour les livres. Si tu veux visiter une personne, tu vas dire rendre, visite. Ok, rendre, okay. Visite. Merci. Ok, bon, pas de souci. Voilà, et bien. Donc, on va continuer. Bon, maintenant... Ici, je vais vous donner un exercice en ligne, mais quand vous entrez sur les liens, vous allez trouver cette image. Okay? Et vous aurez 5 minutes pour donner les bonnes réponses. Ok? Donc, on va faire maintenant un tout petit championnat. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Oui. Professeur, okay. Une question. Donc, exactement, on va faire un tout petit championnat. Je vais sortir pendant quelques moments pour pouvoir vous partager ce lien. Professeur, une pregunta. Je lo tengo muy chiquita la letra acá. No veo nada. T'inquiète, non. Ici, on va rien faire. C'est ce que je fais, c'est juste démontrer qu'est-ce qu'on va trouver lors de son entrée sur les liens. Okay? Quand on entre en ce link, on va encontrer esto. Ok, ah. La idea es que ustedes van a hacer esto en el menor tiempo posible porque tienen solo 5 minutos para usar los verbos que tienen arriba, sí. Los colocan aquí como ustedes crean y le dan validar abajo. ¿Y el cuál es? ¿Es este? Exacto, ya lo voy a compartir, solo les estaba... Creo que sea sí, más grande la letra porque si no... Sí, sí.
Sí, por eso me salí, era para poderlo copiar, porque si no podía. Listo, ahí ya les envié por el chat, entonces van a entrar, por favor, lo hacen, y listo, me van diciendo cómo les fue. Igual yo que voy a permitir que compartan la pantalla a todos, cualquier persona que quiera compartir, dame un segundo. Ah, creo que yo no puedo permitir, espérame un segundo, voy a dejar de compartir, igual ya no es importante. Ah, sí, ya, ahora sí, ya. Listo, a partir de ese momento, entonces cada persona que va terminando me comparte la pantalla, lo puede hacer, ¿listo? Para simplemente constatar. Listo, bueno, voy a cortar un momento el audio, cuando vayan terminando, pues simplemente van compartiendo y van mostrando. Ok. Voilà. Voilà. Quand au restaurant, il faut laisser un pourboire. Donc, ça, ça veut dire comme une propina. Ok. No soyez pas punk. Como que no sea tacaño, una cosa así. Ok. Entonces, eso es lo que significa. Sí. ¿Qué sería il faut laisser? Baja un momento porque no puedo ver toda la pantalla. ¿Sea laisser? Pero bájalo un momento. Sí, bájalo un momento porque no puedo ver. Solo puedo ver hasta el 6. Por favor. Uy. Ok. ¿Sí te deja hacerlo? No, je l'ai perdu. Un moment, s'il vous plaît. Ok. En el 4, yo creo que de pronto muchas personas de pronto, no sé si de pronto si se encontraron qué era lo que era correcto ahí. Es un poco raro, pero lo que pasa es que se refieren como al laboratorio de lenguas, pero pues obviamente no es para nada claro. Entonces ahí es il faut bien prononcer. ¿Ok? Ahí en el 4 era prononcer. Pero pues, okay. Más por tener el resultado bien hecho. Pero la verdad es que yo no contaría esa pregunta porque no es clara. ¿Pudiste bajarlo? Porque solo sigo viendo hasta el 6 y no sé qué más respondiste. No puedo ver más sino hasta el 6. Voilà. Profesor. ¿Sí? Profesor, me borró todo. Como que volvió a empezar, es que perdí la página y volví a entrar y como que me volvió a contar el tiempo. En el otro se me había terminado el tiempo. Ah, pero, ok. Bueno, en el de número 5, pour acheter de bon dessert, il faut oui. aller a la oui. pâtisserie. Oui. Pour être en bonne santé, il faut boire 8 verres de oui. d'eau par jour. Il faut éviter l'alcool. Dans la salle de classe, il faut parler français. Au restaurant, il faut... payer. Et pour avoir de l'argent... Payer, désolé. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Les autres, je ne les finis les réponses. Mira, esto es donde está. Note, oui. al examen, il faut oui. étudier tous les oui. jours. Oui. Et la nombre tu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne comprends pas. Ok. Et pour la 3, pour oui. garder la ligne, oui. il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Ok. La 4, oui. pour réussir au laboratoire, oui. il faut bien prononcer. Oui. Est-ce que quelqu'un, est-ce que tu as la réponse numéro 12? La dernière. Je ne comprends pas la phrase. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une autre façon qui a bien la phrase, la deuxième? Oui, je m'y laisse. Qu'est-ce que laisser? Mais la 12, toi, Tommy, laissez qu'une autre chose pour la 12. Oui.
La dernière. La dernière, non, j'ai... Ok. Donc là, c'était pour... Il faut bien mâcher. Donc, quand on dit mâcher, c'est masticar. Oh. Oh, d'accord. Mâcher. Avant d'avaler. Avaler, ça veut dire tragar. Oh. Passar, sí, o sea, ya digerir. Ok, donc il faut bien mâcher avant d'aller. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Est-ce que, donc, combien de temps est-ce que vous avez mis pour faire l'exercice? Combien de temps? Combien de minutes? Moi, les 5 minutes, mais j'ai. J'ai tout mal. Et... Ah, ah, ok. J'ai tout mal répondu. Ok, bon. Pas de problème. Oui. Tu voulais refaire. Bon, je vous ai déjà donné quelques réponses, quasiment toutes les réponses. Mais bon, c'est tout. Donc, sur cette page, vous allez aussi trouver d'autres types d'exercices comme ça, sinon sur français facile. D'accord? Mais sur français facile, vous allez trouver des exercices avec il faut que. Donc, pour ça, pour bien répondre ça, il faudra savoir les objectifs, connaître bien les objectifs. Donc, ça va, ça servira à rien, parce que pour le moment, on ne connaît pas bien les objectifs. Bien? Mais pour la prochaine classe, on va déjà finir, je vous allez laisser. Et une... Oui, je, ok, ouais, c'est ça. En réalité, bon, je vous allez proposer de faire un petit test dans lequel vous allez écrire 5 obligations importantes dans votre vie personnelle. OK? Selon vos TAF, selon sus tareas diarias. TAF, ça veut dire travail à faire. Et ça, c'est un mot assez courant dans les langages familiers. D'accord? C'est ce que vous allez faire pour la prochaine classe. Rédiger un petit texte dans lequel vous allez mentionner au moins 5 obligations importantes dans leur vie. Dans votre vie, dans vos vies, pardon. D'accord, merci. OK. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des doutes par rapport à l'utilisation d'il faut ou une autre chose que je n'ai pas bien expliqué? Bon, je pense que tout était clair. Bon, les amis, bon, je vous souhaite un bon week-end, fin de semaine. C'est aujourd'hui, fin de semaine. C'est demain, le week-end. Bon, on est confinés. Et bon, on reste chez nous. À la prochaine. À la prochaine. Voilà. À bientôt. Bon week-end. Merci. Ah, je ne sais pas quoi. À la prochaine. Merci beaucoup. Et à la prochaine semaine. Merci. On espère bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. À vous, les élèves. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci. À plus. Salut. Merci.